Bonjour, je suis Natacha Fabry, directrice de l'agence RP, une agence de relations presse où Tatiana Viera fait son alternance depuis septembre 2012. Mon choix s'est porté sur Tatiana parce que j'ai vraiment apprécié sa démarche très motivée. Elle s'est adressée à moi avant même d'avoir déposé son dossier de candidature pour la licence. Et j'ai aimé ce comportement très mature et vraiment, elle savait où elle voulait aller. Quel était son projet professionnel, et c'est pour ça que j'ai choisi Tatiana. Ce qui est intéressant, c'est comme les étudiants sont formés en parallèle, y a pas be ils n'ont que besoin d'exécuter ce qu'ils apprennent en cours, donc ils sont déjà formés. Ils n'arrivent pas tout neufs ou à ne pas être compétents. Il y a déjà une compétence, qu'ils ont un bac plus 2, donc ils sont en troisième année. Donc c'est très intéressant. Et ici, elle s'occupe notamment d'être en relation quotidiennement avec les journalistes. Elle s'occupe aussi, quand il y a besoin d'organiser des événements, c'est elle qui le gère de A à Z. Rechercher lieu, réserver lieu, le visiter, organiser les menus, les invitations, donc les envoyer aux journalistes, les contacter, être présente le jour J pour les accueillir et faire en sorte que tout le monde soit content, notamment le client. Ensuite, il y a du travail quotidien à l'agence, tout ce qui est reporting, faire des revues de presse, rappeler les journalistes quand ils ont promis de tester un produit et qu'ils n'ont toujours pas fait, organiser des déjeuners avec nos clients one-to-one. Si je vais embaucher Tatiana après sa formation, oui. La réponse est oui. On en a déjà discuté ensemble à quelques semaines là de la fin du contrat. Bien sûr, parce que comme je l'expliquais juste avant, elle a vraiment apporté une vraie valeur ajoutée à l'agence. Et aujourd'hui, la structure ne serait pas aussi solide si elle n'était pas là. C'est un membre à part entière de l'équipe et bien sûr, on la garde après.